81e épisode, je vais vous parler du traiteur chinois. Je suis traiteur chinois. La semaine dernière, les services vétérinaires sont venus chez moi. Je fais mon business dans les nems, le porc, le riz cantonné et surtout le porc au caramel. C'est ma spécialité. Et autre samoussa. Je vends ça sur les marchés de la Loire-Atlantique. J'ai mon petit fourgon, mon petit frigidaire, mais malheureusement, il est très sale, avec des cafards et aussi des rats qui se promènent. Beaucoup de cafards, mais les rats sont très gentils, ils se promènent dans le camion. On ne va pas les condamner, les cafards et les rats, hein? Ils mangent ce qu'il y a à manger. Et moi, on va me condamner, oui, condamner en prison, 3 mois de prison. Où est la justice? 3 mois de prison, moi je m'en fous, c'est une bagatelle. Ça me fera des vacances. J'espère qu'en prison, j'aurai du riz et des nems, mon plat préféré. Et puis, vous savez, mon petit atelier, avec ma femme et mes cousins, mes cousines, et puis mes frères et mes sœurs, et grand-mère et grand-père, etc., nous travaillons tous en famille. Et oui, à Nantes, le petit atelier à Nantes, dans une petite rue à droite, à côté, près de l'église, où il y a à côté d'une boulangerie, où il y a une fontaine, et là, vous montez, vous descendez, c'est là, mon petit atelier, qui est bien caché. Mais la police, elle est malin. Elle l'a trouvé, mon atelier. Eh oui. La police et de l'hygiène, ils sont champions. Ils nous ont pas respectés. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas d'hygiène. On était comme des rats, qu'on était comme... je sais pas, ils nous ont insultés en français, bien sûr, parce que j'ai pas trop bien compris. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert? Il y avait plein de caisses de denrées périssables. Les contrôleurs ont trouvé des saucisses visqueuses de porc. Mais nous, on les mange, on n'est pas morts. Hein? On a la diarrhée, c'est pas grave. De temps en temps, toutes les 5 minutes, je vais aux toilettes. Mais on mange, c'est formidable. Mais ces saucisses visqueuses de porc, elles baignent dans un liquide visqueux. Ah, vous savez ce que j'ai dit au contrôleur? C'était la pisse d'hier soir, monsieur le contrôleur. Vous n'allez pas en faire une maladie? J'avais envie de pisser, j'ai pissé dans la gamelle. Oh, mais vous savez que nous avons des odeurs chez nous, dans notre atelier, ça sent mauvais. Les voisins se plaignent, ils sont jamais contents. Des odeurs âcres de nourriture pourrie qui s'échappent des bacs. Mais malheureusement, ils sont transportés sans isolation thermique. Je ne vous parle pas des salades. La dernière fois, on a trouvé des poils de pupilles de mes employés. Allez, bon appétit à tous et à bientôt dans mon petit restaurant.